Eh bien, on va accueillir un binôme de boulangers ligériens, puisque vous êtes à la fois présent sur la commune de Saint-Étienne et pas très loin dans la vallée de Londaine, à Unieux. Alors, il s'agit de Julien Fistre et d'Emilien Degas, donc tous les deux artisans boulangers, cours Fauriel à Saint-Étienne et à Unieux. Alors, on va parler aujourd'hui du contexte. On a beaucoup parlé au début de la crise de l'inflation, hein, où les boulangers ont été médiatisés, il y a même eu une manifestation, et puis il y a quand même beaucoup de, à tort ou à raison, de politiques qui se sont mobilisés, et la profession aussi, bien entendu, s'est mobilisée. Alors, d'abord, le contexte, peut-être vous présenter, et puis la localisation de vos établissements. Oui, et comment sûr. Vous êtes... est-ce que vous avez succédé à vos parents, ou est-ce que vous êtes passé par les filières centres de formation d'apprentis, qui, à Saint-Étienne, notamment, forment parmi les métiers la suite boulanger. Voilà, un petit peu votre histoire personnelle, professionnelle. Eh ben, l'aventure a commencé en février 2020, donc juste avant le Covid. Bon, ça, on ne savait pas. Ben oui. Donc voilà, on est deux associés. Donc moi, je suis plus parti artisan. Donc c'est moi qui ai, voilà, qui ai passé ma formation du coup au CFA de Saint-Étienne. D'accord. Moulinier, donc lié à MSE maintenant. Oui, donc oui. En pâtisserie et en boulangerie. Et du coup, par la suite, eh ben, en ayant fait plusieurs expérience sur Saint-Étienne, bah, on a ouvert notre première boulangerie à Courfoyel à Saint-Étienne en février 2020, donc avec mon associé Julien. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout du milieu. En fait, avant tout, on est quand même beau-frère, donc on se connaît depuis longtemps. Et il avait toujours dit, bah, je montrais ma société, ma boulangerie, et je lui avais dit, bah, je te donnerai un coup de main dans un premier temps à la vente ou faire les papiers. Et dès qu'on a ouvert à Courfoyel en février 2020, bah, y a eu un bon démarrage et ça a bien marché. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Donc moi j'étais dans le commerce mais dans le négoce de matériaux, oui. Sagra Big Mat, oui. Donc j'ai quitté Sagra pour voilà, ça avait pas grand chose à voir avec voilà, oui. Passe du BTP à l'alimentaire, voilà. Hein, oui. Donc voilà, j'ai quitté 6 mois plus tard Sagra pour intégrer. Alors, voilà, 100%. Alors ça a été des ouvertures ou des reprises de commerces qui étaient à vendre et qui étaient aussi des boulangeries? Alors celle de Saint-Étienne, c'était une, on va dire une création, parce que le local c'était une boulangerie avant, mais c'était fermé depuis 2 ans, 3 ans. Oui. Nous on a repris un local vide, donc on est reparti à zéro. Oui, oui, oui. Alors que sur la deuxième, parce qu'après, bah, du coup 2 ans après, en 2022, on a ouvert une deuxième boulangerie. Donc là c'était une reprise à Unieux. Voilà, sur la commune d'Unieux. Alors, on a évoqué le contexte général du confinement sur le plan national qui a généré une baisse de chiffre d'affaires chez les boulangers, mais pas seulement. C'était pas la période la plus facile pour se lancer. Pour nous, on n'était pas. Enfin, on a démarré, on était. Le Covid existait, enfin, y avait, oui. C'était qu'aux prémices, même pas. Donc, on était dans l'euphorie du démarrage et donc pour nous, tout était nouveau. Quoi. On démarrait l'activité, donc chaque jour qu'on ouvrait, oui, il n'y avait pas de comparatif entre avant et aujourd'hui. Quoi, oui. Voilà. Mais forcément, on a craint à un moment donné. On s'est dit, est-ce qu'on va devoir fermer nous aussi notre commerce pendant un moment? Mais vu qu'on était un commerce de proximité, c'était la première nécessité. Voilà. Donc, oui, bien sûr. La chance de pouvoir rester ouvert. Et étant situé à Courfoyel, les gens qui étaient confinés, ben, ils descendaient. Ils n'allaient pas très loin, oui. Voilà. Oui. Donc, et au contraire, ils devaient être contents d'avoir noté la réouverture, voilà, d'un commerce qui avait disparu. Et attendu, et puis pour un démarrage, et ben, il y a eu un bon démarrage, parce que ben, voilà, donc, ces gens qui étaient confinés, ben, leur seul moyen de sortie était d'aller à la boulangerie en bas de chez eux. Alors après, vous avez été confronté à la hausse des matières premières, singulièrement celle du blé et du beurre. Est-ce que ça a amené à hausser les prix, effectivement, des baguettes, des flûtes, des... Et ben un peu comme tout le monde, forcément, on est obligé un peu de répercuter ça, voilà, mais tout en calculant quand même bien les marges qu'on peut avoir. Donc, on a la chance des deux, et donc Julien s'occupe bien de la partie négociation. Et vous jouez la complémentarité. Voilà, et moi je suis plus partie fabrication, laboratoire avec les équipes. Donc Julien peut se permettre de bien négocier avec nos fournisseurs. Voilà, chaque produit que nous sortons, eh ben, le prix de revient est calculé. Donc on sait où on va, et puis effectivement, eh ben, je suis à la lettre les fournisseurs. Chaque semaine, je lâche pas les fournisseurs pour avoir les prix... soit quand même raisonnable. Juste, voilà. Il n'y a pas eu que les matières premières, hein, puisque le prix de l'énergie a vraiment flambé. Aussi, j'avais interviewé un restaurateur et d'autres professions alimentaires, c'était encore compliqué. Là. Et vous, il faut faire tourner le four. Exactement. Donc, nous, après, il y a eu l'énergie aussi qui a augmenté, donc comme pour beaucoup d'autres professionnels du métier. Mm-hmm. Et ben là, c'est la même chose. Alors, après, il faut adapter un peu notre manière de travailler, donc couper des fours le plus rapidement possible, qu'on s'en sert plus, éviter de les laisser allumer pour rien. Oui,
même former nos équipes, à leur dire attention, faites attention à l'utilisation des machines. Les lumières, éteindre des lampes dans la pièce. Enfin, voilà. De... C'est des petites choses, mais on se dit ça peut aussi, voilà. Vu le prix d'électricité, ça permet de faire une petite économie. Vous employez le mot équipe, vous avez dû recruter. On sait qu'aujourd'hui, on parle en France de grande démission, qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus travailler, moins travailler, presque à leur convenance sur des présences horaires, notamment dans des métiers comme la restauration. Est-ce que vous avez eu des difficultés aussi pour recruter des collaborateurs, des collaboratrices, des vendeurs ou des... Pas trop, ça dépend. La boutique de Foriel, on a eu moins de difficultés car on est fermé le dimanche. Donc ça aide. Et là, on s'est rendu compte qu'à la nouvelle boutique du Nuit, on a ouvert le samedi et dimanche. Et c'est quand même un peu plus compliqué. Un petit peu plus difficile, Parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent leur week-end. Il y a de conditions de... Ils veulent les deux, avoir la qualité de vie extérieure et au travail également, des bonnes conditions. Donc on essaye. Et on est quand même à l'écoute aussi des salariés. Donc on est vraiment, on peut dire qu'on se plie, mais voilà, on écoute. Et l'adaptation aussi au mode de vie des clients. Hein, je voulais vous poser la question, par exemple, le boulanger ne vend plus que du pain. Et on lui trouve aussi de la viennoiserie, parfois un petit peu de pâtisserie, mais aussi des sandwichs, voire des quiches Lorraine, des morceaux de pizza. Est-ce que vous avez cette diversification aussi dans vos deux établissements du Sud Loire? C'est le cas, Donc nos deux boutiques font également salon de thé, donc les gens peuvent venir s'installer. D'accord, passer un moment, boire un thé. Voilà, manger une viennoiserie. Donc nous, tout est produit chez nous, donc on fait tout nous-mêmes. Donc du pain, la viennoiserie, la pâtisserie, comme on dit, un peu le snacking. Donc voilà, c'est tout est fait maison. C'est vrai que la gamme est assez diversifiée aujourd'hui et on répond à la demande des clients. Alors vous êtes des indépendants. On voit la progression des franchises dans plein de métiers. Par exemple, il y a une très grosse franchise stéphanoise qui s'appelle Pizza Cozy, qui est maintenant dans toute la France. Et il y a aussi des franchises, je pense à, moi j'habite Saint-Chamond, à Marie Blachère, et il y en a d'autres dans tout le département de la Loire. Est-ce que ça vous a fait du tort, ce développement de franchises? Et il y en a d'autres que je connais moins, mais que j'ai vu dans des articles sur des revues spécialisées comme LSA. Nous, on n'a pas bien vu l'impact, vu qu'on est aussi assez récent. Ça fait au final 3 ans et demi qu'on a démarré notre première boulangerie. Mais non, après, toute concurrence est bonne à prendre aussi. Donc, il faut s'adapter. Après, à Farel, quand on s'est installé à quelques centaines de mètres, il y a quand même Farineur qui est une grosse boutique. Qui est quand même connue, reconnue. Qui est aussi à l'Etra, qui est d'autres implantations. Il y a du travail pour tout le monde. Il faut que la qualité est là, donc on joue là-dessus. Pour moi, on arrive à s'en sort. Alors, pendant la pandémie, on a beaucoup parlé du quoi qu'il en coûte. C'était un petit peu la devise financière du gouvernement. Est-ce que votre profession a bénéficié, parce que c'était ce qu'on avait entendu, d'un certain nombre d'aides de l'État? Et vous, précisément, en avez-vous bénéficié de ces aides de l'État à la profession? Et bien là, dernièrement, c'était sur l'amortisseur. L'amortisseur, récemment. Par rapport à l'électricité, Donc voilà, c'est la chose que je pense beaucoup de boulangers aussi ont obtenu. Et après, Parce que c'était surtout sur le contrat tarif bleu en électricité, alors que les 3/4 des boulangeries ont un compteur jaune. Déjà, on n'est pas les clous. Donc non, on n'a pas eu plus d'aide que ça, à part récemment l'amortisseur grâce au fournisseur d'électricité. Alors. C'est pas pour mettre en avant ma commune, mais à Saint-Chamond, il y a un vendeur de matériel spécialisé en boulangerie. Est-ce qu'en termes de matériel professionnel technique, les choses ont évolué? Vous avez investi dans des matériaux nouveaux, moins énergivores. On l'évoquait tout à l'heure, avec de la prudence, d'éteindre avant, quand c'est pas utile de laisser allumer. Et là, pour l'instant, je pense que les fournisseurs commencent tout juste un peu à nous proposer à réémerger. Parce que je pense qu'il y a quelques temps, ils s'en souciaient pas trop. D'accord. Mais petit à petit, je pense que on aura des nouvelles machines un peu moins énergivores, donc qui permettront un peu pour nous aussi de faire quelques économies. Vous avez un site internet qui... Également, on a un site internet. C'est le nom de la boutique, donc lamanufacturedejean.fr. Et on est aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram. LinkedIn également. Ou sur Google, vous nous tapez. Impensable aujourd'hui d'être commerçant, artisan et de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on voit que les clients y répondent bien présents sur les réseaux sociaux? Une réactivité. Eh bien, excellent week-end. Merci beaucoup de vous être déplacé. Merci de votre accueil. Merci beaucoup.